Alors, le but, c'est de réunir les jeunes donc de la PEP, enfin la pépinière, l'académie et le centre de formation, en sachant que ce qui est important pour les plus jeunes, bah, c'est de voir les plus grands, de voir comment ils travaillent. Et pour les plus, je veux dire, anciens, bah, c'est de montrer ce qu'ils savent faire et de leur montrer tout ce qui est rigueur et travail et savoir un petit peu comment faire justement sur les exercices, de les corriger. Donc on le fait chaque vacances, on fait une demi-journée comme ça, où on travaille ben, par poste. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est de la technique, ben, voir ben, où est-ce que j'en suis et comment il va falloir faire pour que je m'améliore. Dans la technique individuelle, là où le jeu au pied, j'aimerais bien progresser de plus en plus parce que c'est toujours très important pour... Pour le jeu, surtout à mon poste en tant que 10, donc j'aimerais bien progresser à ce niveau-là. Principalement le saut en touche, tout ça, après tout ce qui touche un peu à la technique individuelle. Mais je suis demi d'ouverture, du coup je voudrais améliorer mon jeu au pied, après la vision du jeu, par le surnombre. Une gestion de surnombre, donc on va essayer de jouer le surnombre défensif ou offensif et on va essayer de leur donner quelques petites options pour leur apprendre à jouer les surnombres le mieux possible. Voilà, un travail technique, savoir un petit peu ben, au niveau des appuis, au niveau des passes, comment faire à droite, à gauche, et travailler vraiment le geste pur. Et après, généralement, on le remet aussi en situation. Ils ont plus d'espérance que nous, ils en connaissent plus. C'est toujours mieux d'évoluer avec des plus forts.